branches sont très fortes. Près des montagnes derrière, ce sont ces effets de feu, d'infortunnel qu'il y a dans les montagnes, mais au niveau de la mer. Et là, vous voyez, c'est une magnifique surface plane, bien vite, etc. Donc le vent glisse complètement, il lâche complètement. Hein, et c'est pour ça que les mouvements les plus forts sont enregistrés à travers l'histoire, c'est dans les 280 km à l'heure. Hein, même régulièrement, hein, en hiver. Also die Vegetation hat sich adaptiert müssen. Dadurch gibt es auch besondere Pflanzenarten hier im Nationalpark. Ah bon? Oui. Superbe. On appelle la délégation. Non, ouais. Qu'est-ce qu'il y a oublié? Ah, des 500 mètres. Il va nous mener au monastère. Voilà, mais bon, il faut...
Du mauvais côté. Ensuite, vous serez du bon côté retour. Et regardez sur notre gauche, on voit toujours Carca et un petit peu plus loin, donc c'est l'endroit où se trouvent les villages de Kradin. Donc c'est un monument protégé aujourd'hui. Et c'est là de l'eau douce et de l'eau salée. Alors regardez, ça c'est Chicola et Carca qui c'est la rive dans un lac ici. Regardez. Et le retour, c'est pas grave, c'est... Alors, y a-t-il des personnes qui ont besoin d'une pause technique? Oui. Tout le monde? Pause technique. Bon. Alors, d'accord, puisque on va annoncer la deuxième entrée d'un parc qui a vous pris un quart d'heure jusqu'au Kradin. Et pour le plus courageux, on peut descendre tout ça à pied. Ça,
Non, non, il y a simplement 200 marches à monter. Je ne suis pas à descendre parce qu'on va faire le tour. Comme ça, on va voir les cascades et de côté. Arrivé sur le plateau, on verra le plus.